Jackie. Hi. Everything okay? Yeah, of course. I guess. Just had the weirdest thing happen with this guy in the parking lot. Really? Yeah, unbelievable. I pulled into this narrow space beside this huge SUV. There was a shopping cart between. I saw it there. Anyways, I start walking to the store, and I guess the guy in the SUV was watching me. He gets out and yells, "Why would you park there? When that cart gets moved, it's gonna scratch the hell out of my car. You know what this is worth?" I have no idea. "Try 50 grand. I'm stunned. He's really pissed. What do I say? I was totally unprepared for the aggression. I couldn't believe this guy. I told him I'd be 10 minutes. I told him I'll talk to the cart person guy. He says, "You got an answer for everything, don't you? How about you, like, how would you like to kiss my..." He was like, I was so jangled that I can't remember all the other stuff. Oh my God, Jackie. I was just shaking. The anger. I tried to tell him nothing had happened. He's like, "Still got an answer for everything," and he stomps into the store. I get in here, and I'm a total mess. Can't concentrate, dropping things, heart's beating through my chest, over a parking spot! I've been up and down this aisle 3 times. I can't settle down. Awful. Qu'est-ce qu'un conflit? Le conflit est souvent décrit comme étant un désaccord entre deux personnes ou deux groupes. Les désaccords sont généralement basés sur les différentes perceptions liées à des événements ou des comportements. Le fait que chacun de nous a une perception différente prend racine dans notre façon unique de voir le monde selon nos idées, nos expériences, nos croyances et nos valeurs. Le conflit est aussi décrit comme étant subjectif, instable et compliqué. Une ligne est tracée dans le sable et nous voilà face à une impasse. Comment en sommes-nous arrivés là? Les conflits sont habituellement le produit d'un élément supplémentaire. Ils sont le résultat de pensées et de sentiments réprimés. Tous les individus qui travaillent ou habitent ensemble expérimenteront probablement des sentiments de frustration, de trahison, de culpabilité et de colère les uns envers les autres. Les désaccords entre les personnes n'aboutissent pas toujours à des conflits. Il suffit parfois que l'un des deux parties identifie le désaccord comme étant un conflit. Felstiner et Sarah suggèrent que les conflits sont généralement développés par un processus de culpabilisation, d'accusation et de revendication. La culpabilisation apparaît lorsqu'un individu perçoit une situation comme étant néfaste. L'accusation transparaît lorsqu'un individu identifie les autres parties comme appartenant au camp adverse. La revendication se produit quand un individu réclame un palliatif ou une compensation de la part de l'autre partie.